Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec ComeUp et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer, les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année. Donc, cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. On a notamment ce gamin qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours. Donc, c'est parti. ComeUp. Qu'est-ce que ComeUp? Donc, ComeUp, anciennement, c'était connu comme 5euros.com. C'était tout simplement un site de petites annonces pour les freelances où vous mettiez une annonce, par exemple, de design, etc. Et ça mettait en relation des freelances avec des entreprises qui étaient à la recherche de prestations, généralement autour de tout ce qui est Internet, marketing digital, design graphique, publicité, etc. Donc, ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps. C'est passé de 5euros.com à ComeUp. Donc, ils ont pris un peu un nom à consonance anglophone. Et je vais vous montrer ici le site internet de ComeUp et comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ComeUp. Maintenant, vous avez deux façons principales, en fait, de pouvoir gagner de l'argent avec ce genre de site, que ce soit ComeUp, Fiverr, Upwork. La première façon, c'est de s'inscrire directement en tant que freelance. Mais vous allez être en fait en compétition quand vous lancez en tant que freelance avec des milliers, voire des millions d'autres freelanceurs. Si vous êtes sur ComeUp, peut-être qu'il y en a des milliers, des centaines de milliers. Si vous êtes sur Upwork ou Fiverr, il y en a des centaines, il y en a des millions facilement parce que vous êtes en compétition en fait avec le monde entier. Sur ComeUp, vu que c'est une plateforme française, vous êtes en compétition simplement avec les gens qui sont en France. Ou alors tout du moins les gens qui parlent français, donc la communauté francophone. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus simple de pouvoir gagner de l'argent avec ComeUp, c'est de l'utiliser en fait comme une source et faire de la délégation, déléguer le travail, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du drop servicing. Du drop servicing, en fait, ça va être de signer un contrat avec un client, prendre l'argent, prendre une partie de cet argent et la donner en fait à une personne, un freelance, une freelance qui va faire le travail en fait à votre place et vous allez rémunérer moins que ce que vous a donné en fait l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Je vous donne un exemple. Vous avez réussi à closer une entreprise pour 2000 euros et ensuite vous allez tout simplement sur ComeUp et vous signez un freelance, vous bossez avec un freelance et vous allez lui donner 1000 euros. Ça veut dire que vous mettez 1000 euros dans la poche grâce à cette technique. Voilà, le drop servicing, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, c'est quelque chose qui est en vogue ces dernières années, que vous allez facilement pouvoir utiliser afin de gagner plusieurs centaines d'euros de profit par jour avec cette méthode. Donc, je vais vous montrer ici sur mon écran en quoi ça consiste, comment utiliser ComeUp, comment trouver des freelances avec qui bosser et ensuite, surtout, étape très importante, comment trouver des entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir bosser. C'est parti, on se trouve ici sur mon écran, je vais vous montrer. Nous sommes ici sur ComeUp. Donc, le site ComeUp, en fait, se présente de cette manière-là. C'est l'accueil du site, plus de 20 000 services pour tous, pour tous vos besoins. On peut aller ici, tout simplement, taper de quoi vous avez besoin. On peut taper Facebook Ads. On tape Facebook Ads sur ComeUp. On tape sur Trouver. Et on se trouve, en fait, avec toutes les personnes sur ComeUp qui, tout simplement, propose du Facebook Ads. Donc, bien évidemment, les gens qui se trouvent sur les premiers résultats de recherche, eh bien, ont plus de chances, en fait, d'être embauchés tout simplement par les gens. Et en fait, ça se présente comme ça. Disons que, par exemple, cette personne ici, prenons cette personne qui a 716 commentaires. Je vais créer votre vidéo publicitaire Facebook Ads. Donc, je clique dessus, livraison 48 heures, 5 étoiles, 716 avis, 951 ventes, vendeur depuis mars 2019. Bref, voilà, il a créé une bonne annonce, bœuf, et il fait des packs en fait. Il fait des packs création complète de une vidéo pub Facebook, de 25-30 secondes pour un produit, je m'occupe de tout. 30 euros, pas créative, blablabla, ok. Et en fait, vous voyez qu'ils présentent tous plusieurs produits différents. Là, il fait basique, deux jours de réalisation, ok.
En gros, il présente un tas de d'options différentes. C'est comme ça que ça se passe. Après, vous pouvez personnaliser et prendre plus de choses. Pack 28 vidéos, par exemple, 675 euros. Bref, sur ComUp, vous n'aurez pas en fait de problème à trouver quelqu'un de compétent afin de travailler tout simplement avec vous. Maintenant, ok, on est sur ComUp, on a trouvé des gens, on a trouvé des freelances avec qui travailler, mais ça, c'est la seconde étape. Quelle est la première étape, à votre avis? La première étape, c'est tout simplement de trouver des gens avec qui on va pouvoir bosser. Est-ce que mon micro marche bien? Nickel, mon micro marche bien. Des entreprises avec lesquelles on va pouvoir bosser sur, par exemple, du Facebook Ads. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller sur Google. On va utiliser Google Maps, qui est l'outil le plus puissant en fait pour générer des leads. Et on va chercher des gens en fait que l'on va pouvoir aider avec Google, avec la publicité Facebook Ads. Donc je vous montre ici sur mon écran en fait comment on fait. C'est très simple. On va simplement sur Google Maps et on tape par exemple salle de sport. On tape salle de sport sur Google Maps. Et on voit en fait les salles de sport qui sont plus ou moins en région parisienne. On peut taper sur n'importe quelle salle de sport, par exemple l'Orange Bleu Vanves. Je tape ici l'Orange Bleu Vanves. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement sur leur site internet, l'orangebleu.fr. Et ensuite, tout simplement, je vais voir comment ça se passe sur leur site internet, si éventuellement ils font de la publicité Facebook. Il y a d'autres outils que vous allez pouvoir utiliser comme des plugins, etc., pour savoir si l'entreprise fait de la publicité Facebook. Vous allez regarder un peu. Et après, en fait, le job, il va être très, très, très simple. Le job, il va être de faire exactement ce que je vous ai montré à l'écran, de regarder plusieurs entreprises. Donc là, je vous ai montré juste une salle de sport. Mais imaginez que vous le faites avec 100 salles de sport. Vous faites 100 salles de sport et surtout, vous allez les contacter. Ce qui est très, très important, c'est que vous allez contacter ces salles de sport et vous allez leur dire, voilà, je suis marketeur digital, j'ai une entreprise de marketing digital et je vais pouvoir vous aider tout simplement à mettre en place des campagnes sur Facebook Ads. Si l'entreprise en question ne fait pas de publicité Facebook Ads, c'est une bonne opportunité pour vous de pouvoir tout simplement l'inciter en fait à bosser avec vous. Donc vous rentrez en contact avec cette entreprise et disons que cette entreprise accepte de bosser avec vous. Elle va vous donner par exemple 2000 euros par mois afin de réaliser les publicités Facebook Ads pour vous. Ensuite, ce que vous faites, c'est exactement ce que je vous ai dit au cours de cette vidéo au début. Vous allez sur ComUp et ensuite vous engagez un freelance afin de travailler avec vous. Ensuite, ce freelance, vous lui donnez par exemple 1000 euros afin de bosser avec vous, ou même 500 euros selon le package que vous allez prendre, et vous empochez en fait 1500 euros dans la transaction. Donc vous êtes ce qu'on appelle le middleman, vous faites du drop servicing et vous gérez en fait le projet. Imaginons que l'objectif là, c'est de faire de la publicité Facebook Ads. À la fin du mois, vous avez délivré pour votre client. Vous avez délégué la tâche, tout se passe bien, vous empochez vos 1500 euros. C'est de cette manière que ça se passe. Mais si la personne sur ComUp déjà a des bons commentaires, a déjà bossé, etc. avec des entreprises, vous pouvez lui faire confiance et elle va faire du bon boulot avec vous. Donc voilà les amis, dans cette vidéo, je vous ai montré comment réaliser entre 100 et 300 euros par jour avec ComUp. Et si vous voulez un moyen encore plus simple d'apprendre des choses sur le marketing digital et savoir comment vous pouvez signer des clients, etc. Regardez mon workshop 100% gratuit. Premier lien dans la description qui va vous apprendre tout cela. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ce que vous voulez dans la vidéo sur l'espace commentaire, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu à venir. Regardez également cette vidéo juste ici et je vous dis à très bientôt. Ciao.